Ce samedi 28 mars 1903, à Saqqara. Monsieur le directeur, deux mots seulement pour vous annoncer la bonne nouvelle. J'ai enfin un magnifique tombeau. Hier vendredi, je suis allé, comme je vous l'avais écrit, à Saqqara. Trois tombeaux avaient été déblayés pour être soumis à mon examen. Deux étaient d'un intérêt moyen, le troisième était au contraire d'une grande beauté. Style et variété des scènes, perfection de l'exécution, état de conservation, toutes les qualités étaient réunies pour faire de ce monument une pièce digne de notre Louvre. Et je pense que dans tous les grands musées d'égyptologie dans le monde, tous ont voulu présenter ce moment particulier de l'histoire du monde qui est le temps des pyramides et d'avoir donc ces chapelles funéraires. À l'Ancien Empire, vous avez le roi qui est enterré dans une pyramide. Et tout autour, les notables, la famille royale, sont enterrés dans des mastabas. Alors c'est la partie visible qui signale la tombe. La dénomination du Louvre, le mastaba, elle est fausse parce que nous n'avons que la chapelle qui était logée dans un mastaba, dans un grand massif de maçonnerie. Et maintenant nous savons que ce mastaba était immense, qu'il mesurait 32 mètres de long sur 16 de large. La chapelle du mastaba, c'est cette pièce décorée dans laquelle se trouve la table d'offrande sur laquelle on dépose les offrandes, un rythme quotidien pour entretenir la vie éternelle du défunt. L'âme du mort est capable de venir prendre ses offrandes, de venir se les approprier. En remontant depuis le corps enterré dans le caveau, elle remonte, elle passe par les fausses portes, ces stèles fausses portes qui sont installées sur le mur du fond de la chapelle, les franchissent, les âmes peuvent le faire, les franchissent et viennent bénéficier des offrandes. C'est à la fois cette chapelle un lieu de commémoration, ça, je dirais, ça inscrit le personnage dans la mémoire et c'est important, il y a le nom, mais il y a aussi les représentations, parce que les statues, comme d'ailleurs les images, avaient une fonction magique. Elles n'étaient pas là pour décorer du tout, mais elles étaient là pour éterniser la vie. Elles étaient vivantes. La statue, on exécutait sur elle des rites qui lui rendaient l'usage de ses sens, qui lui permettaient de marcher. Ils ont inventé un système qui assure leur immortalité et ils l'obtiennent là. Ce que nous faisons sur le mastaba d'Arhotep le démontre amplement. Oui. Alors que cette nécropole avait été donc partiellement explorée au début du XXe siècle, on avait perdu l'emplacement exact de la chapelle funéraire du Louvre, celle d'Arhotep. D'où venait la chapelle elle-même, dans quel contexte, son lieu exact, on ne savait rien. Donc je me suis dit, il faut aller là-bas, à Saqqara.